Bonsoir. Mes chers compatriotes, mes chers Américains. Et à tous ceux qui sont à l'étranger, à tous ceux qui habitent au Delaware, je vois mon ami, le sénateur Tom Carper. Le sénateur Coons, je pense qu'il est là aussi. Les gouverneurs sont là également. Est-ce que c'est Ruthann qui est là? Et l'ex-gouverneur Ruthann Minor. Et ma belle-sœur, ma sœur Valérie, elles sont là. Le peuple de cette nation a parlé. Ils nous ont transmis, ou ils nous ont donné une victoire claire, convaincante. Une victoire pour nous, le peuple. Nous avons gagné avec le plus de votes pour un ticket dans l'histoire de notre nation. 74 millions. Ça m'a surpris, je dois l'avouer. Et ce soir, on voit partout, dans toutes les villes, dans tout le pays, et même dans le monde entier, beaucoup de joie et de l'espoir pour l'avenir, pour un meilleur avenir. Et je suis humble quand je vois toute la confiance que vous avez placée en moi. Je m'engage à être un président qui ne veut pas diviser, mais qui veut unifier. Qui ne voit pas des États rouges et bleus, mais qui voit seulement les États-Unis. Et de tout mon cœur, je travaillerai pour avoir la confiance de tout le peuple américain. Et c'est, je pense, le sens des États-Unis. Les États-Unis, c'est un peuple. Et c'est ce que fera mon gouvernement. J'ai voulu devenir président pour guérir l'âme de notre nation, pour reconstruire la classe moyenne, le pilier de notre nation, et pour que les États-Unis soient respectés encore une fois dans le monde entier. Et pour que nous soyons unis ici, aux États-Unis. C'est l'honneur de toute ma vie que des millions d'Américains aient voté pour cette vision. Et maintenant, nous devons travailler pour que cette vision soit réelle. C'est la tâche de notre époque. Comme je l'ai dit de nombreuses fois par le passé, je suis le mari de Jill. Et je ne serais pas ici sans son amour, sans son soutien. Sans le soutien de Jill et de mon fils Hunter et de Ashley, ma fille, et de tous mes petits-enfants et de toute ma famille. Ils représentent mon cœur. Jo est une mère, une éducatrice. Elle a dédié sa vie à l'éducation. Enseigner, ce n'est pas ce qu'elle fait, c'est ce qu'elle est. Parce que les éducateurs des États-Unis, c'est une très bonne journée pour vous tous aujourd'hui. Vous aurez l'un d'entre vous, l'une d'entre vous à la Maison Blanche. Et Jill sera une très bonne première dame. Je suis tellement fier d'elle. J'ai l'honneur de servir avec une formidable vice-présidente, Kamala Harris, qui est la première femme, noire, la première femme d'Asie du Sud, la première qui a été élue vice-présidente dans ce pays. Ne me dites pas que ce n'est pas possible aux États-Unis. Ça vient bien trop tard. Et ce soir, nous suivons les pas de ceux qui ont travaillé pendant des années pour que cela ait lieu, qui sont combattus pour cela. Et nous avons encore fait tourner l'arc de l'univers vers la justice. Kamala, vous êtes devenu un membre de ma famille. Vous êtes un Biden maintenant.
à tous ceux qui se sont portés volontaires, qui ont travaillé au bureau de vote pendant la pandémie, à tous les travailleurs de ces bureaux de vote, vous méritez les remerciements de toute la nation. À mon équipe de campagne, à tous les volontaires, à tous ceux qui ont donné tant de leur temps d'eux-mêmes pour que ce soit possible, eh bien, je vous remercie. Tout ça, c'est grâce à vous, à tous ceux qui nous ont soutenus. Je suis fier de cette campagne que nous avons construite. Je suis fier de la coalition que nous avons rassemblée, la plus grande et la plus diverse coalition de l'histoire des États-Unis, des démocrates, des républicains, des indépendants, des progressifs, des modérés, des conservatrices, des vieux, des ceux qui venaient des villes, des gays, des straights, des transgenres, des latinos, des asiatiques et des peuples indigènes. Et tous ceux qui ont combattu pour cela, et c'est dans ces moments que la communauté afro-américaine était avec nous. Je suis avec vous également maintenant. Je l'ai dit dès le début, je veux que cette campagne représente tous les États-Unis. C'est ce qu'on a fait. Et maintenant, c'est au gouvernement d'être comme les États-Unis. À tous ceux qui ont voté pour Trump, je comprends que vous soyez déçus ce soir. J'ai perdu plusieurs fois moi aussi. Mais maintenant, il faut que nous nous donnions une chance. Il est temps d'abandonner les discours durs, de se voir véritablement, de s'écouter à nouveau et d'avancer ensemble. Et pour cela, il ne faut pas traiter nos adversaires comme nos ennemis. Ce ne sont pas nos ennemis, ce sont des Américains. Ce sont des Américains. La Bible nous dit qu'il y a une saison pour tout, une saison pour construire, une saison pour les récoltes et une saison pour la guérison. C'est le temps de guérir les États-Unis. Maintenant que cette campagne prend fin, quel est notre mandat? Je pense que c'est cela. Les États-Unis, les Américains nous ont appelés à être une force de décence, de justice, d'être une force pour la science, une force pour l'espoir dans les grandes batailles de notre époque. La bataille contre le coronavirus, la bataille pour la prospérité, la bataille pour sécuriser les soins de santé pour vos familles, pour avoir la justice raciale et supprimer l'insécurité dans ce pays. Et la bataille pour sauver notre planète en luttant contre le changement climatique. La bataille pour restaurer la décence et protéger la démocratie et pour donner à tous une chance dans ce pays. C'est ce qu'on demande, une chance dans ce pays. Nous allons commencer en luttant contre le COVID-19. Nous ne pouvons pas restaurer l'économie sans en abandonnant des vies. Il faut que nous puissions avoir nos enfants, nos petits-enfants à tous les moments de la vie, les moments qui sont importants pour nous. Il faut que nous puissions contrôler le virus. Lundi, je nommerai un groupe de scientifiques et d'experts comme conseillers pour la transition, pour nous aider à faire en sorte que nous puissions mettre en place un plan d'action qui commencera le 20 janvier 2021. Ce plan d'action se basera sur la science. Il se basera sur l'empathie. Je ferai tous les efforts nécessaires. Je m'engagerai pour vraiment mettre fin à cette épidémie. Je suis un démocrate et j'en suis fier. Mais je gouvernerai comme président américain. Je travaillerai aussi dur pour ceux qui n'ont pas voté pour moi que pour ceux qui ont voté pour moi. Il faut que cette époque de la démonisation commence à prendre fin, de la diabolisation commence à prendre fin et qu'elle prenne fin ici et maintenant.
Le refus des démocrates et des républicains de coopérer n'est pas quelque chose qui est en dehors de notre contrôle. C'est un choix que nous faisons. Et lorsque nous décidons de ne pas coopérer, eh bien, nous pouvons aussi décider de coopérer, de travailler ensemble. Et je pense que cela fait partie du mandat qui nous a été donné par le peuple américain. Ils veulent que nous coopérions dans leur intérêt. Et c'est le choix que je ferai. Et j'appelle le Congrès, aux démocrates et aux républicains de faire ce choix avec moi. L'histoire américaine, c'est l'histoire de l'augmentation des opportunités aux États-Unis. Il y a trop de rêves qui ont été remis au lendemain pendant trop longtemps. Il faut que nous fassions une vraie promesse. Il faut que la promesse de ce pays soit réelle pour tous, pour quelle que soit leur religion, leur identité, leur état d'handicap. L'Amérique a toujours été façonnée par des moments de l'histoire où nous avons pris des décisions difficiles sur notre identité et sur ce que nous voulons être. Lincoln, en 1816, qui a sauvé l'Union, FDR, en 1932, qui a promis au pays un nouveau deal. JFK, en 1960, qui s'est engagé pour une nouvelle frontière. Et il y a 12 ans, Barack Obama a fait l'histoire en nous disant « Oui, nous le pouvons ». Nous sommes à un moment clé. Nous avons l'opportunité de lutter contre les désespoirs, de construire une nation de la prospérité. Nous pouvons le faire, je sais que nous le pouvons. Je ne vais pas parler de la bataille, je parle de la bataille pour l'âme de notre nation. Il faut restaurer l'âme de notre nation. Notre nation est façonnée par une bataille constante entre nos meilleurs côtés et nos impulsions les plus sombres. Et ce que nous, le président a une importance dans cette bataille. Il est temps que les bons côtés gagnent. Aujourd'hui, le monde entier regarde les États-Unis et je pense que les États-Unis peuvent être une flamme qui guide le monde. Nous serons jugés par le pouvoir de notre exemple et non seulement par l'exemple de notre pouvoir. J'ai toujours pensé qu'on pouvait définir les États-Unis en un seul mot, les possibilités. Aux États-Unis, tout le monde devrait avoir l'opportunité d'aller le plus loin possible et de prendre toutes les opportunités qui leur sont données. Je pense, je crois aux possibilités de ce pays. Nous allons toujours de l'avant vers une États-Unis qui est plus équitable, qui est plus juste, avec la dignité et le respect. Des États-Unis qui guérissent le cancer, des États-Unis qui n'abandonnent jamais personne, des États-Unis qui n'abandonnent jamais. Notre pays est une grande nation. C'est toujours été mauvais d'être contre les États-Unis. Nous sommes un bon peuple. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Il n'y a jamais eu rien que nous ne soyons pas capables de faire quand on l'a fait ensemble aux États-Unis. Les derniers jours de la campagne ont été difficiles. J'ai commencé à penser une hymne qui est très importante pour moi, qui vraiment montre vraiment la foi que j'ai. Et je pense que je peux peut-être donner un petit peu de réconfort aux 130 millions d'Américains, ou plutôt aux Américains qui ont perdu des êtres aimés cette année. J'espère que cet hymne va vous réconforter. Il va vous élevez et il va vous tenir dans les paumes de sa main. Et ensemble, sur les ailes d'un aigle, nous allons faire le travail qu'on nous a appelé à faire avec la foi en les États-Unis et en chacun de nous,
avec l'amour pour la justice. Nous devons être la nation que nous pouvons être, une nation unie, une nation renforcée, une nation guérie, les États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, il n'y a jamais rien que nous ayons essayé de faire qu'on n'a pas pu faire. Et comme l'a dit mon grand-père lorsque j'étais un enfant à Scranton, il me disait « Garde la foi, Joe ». Mais ma grand-mère disait « Non, répands la foi ». Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Merci, merci.